L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de carême. C'est en même temps le dimanche de la transfiguration. Ce dimanche qui nous révèle qu'il y a toujours une lumière pour chacun d'entre nous et que nous aussi, à notre tour, devons devenir dans ce monde une étincelle de cette lumière du Seigneur. Nous allons célébrer cette Eucharistie avec pleine espérance pour Alain Pasquale et Camille Roch, tous deux qui nous ont quittés. Et maintenant, demandons pardon au Seigneur en lui disposant nos cœurs à recevoir son pardon. Seigneur, je me suis dérobée.
paix. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as dit de goûter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham : Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Parole des Seigneurs, il est fidèle en tout ce qu'il fait.
de la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers amis, de dimanche à dimanche, le Christ, notre Seigneur, il tente bien que mal de nous faire vivre d'une réalité assez extraordinaire, à savoir de nous faire vivre de sa lumière, de nous faire bénéficier de la force qui émane de lui, de nous faire bénéficier des énergies nouvelles qui sortent de son cœur. Eh bien, il n'en demeure pas moins qu'en écoutant les textes de ce jour, eh bien, d'entrevoir l'enseignement plenier de l'Église qui nous invite aujourd'hui, demain, et qui le fera toujours, à un effort de marche. Oui, marcher à la suite d'une personne,
marcher, marcher vers une personne, marcher en direction de quelqu'un. Et n'avons pas à chercher entre midi et 14 heures de savoir de qui il s'agit. C'est de marcher vers la vérité qui nous éclaire. C'est de marcher vers cette lumière éternelle qui ne cesse de chercher à nous intégrer, à savoir notre Seigneur Jésus. Le but, il est assez précis, que chacun d'entre nous soit capable, personnellement, mais aidé, soutenu, stimulé par la grâce de Dieu, de sceller les liens d'amour, de tendresse dans la nouvelle alliance avec Dieu. Au cœur de cette nouvelle alliance, les choses changent. Au cœur de cette nouvelle alliance, il y a de la renovation, il y a de l'innovation. Et cette innovation spirituelle, c'est de revoir nous-mêmes la vie autrement. C'est de définir notre vie, ma vie à moi, Père Paul, ta vie à toi, Pierre, ta vie à toi, Didier, de la revoir autrement selon le regard même de Dieu. De redéfinir les valeurs de cette vie selon les recommandations de Jésus. Évidemment, ce temps de carême, raison pour laquelle il est appelé un temps privilégié qui nous permet de faire un pas de plus dans ce sens. Et Dieu, il étale devant nous toute la splendeur de sa confiance en nous. Et maintenant, le plus dur, c'est nous. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Le plus dur, c'est ça. Est-ce que je peux encore continuer de suivre le Christ? Et cette réponse, chacun peut la trouver. D'abord dans son cœur, dans une certaine intimité avec Dieu, et en même temps, en regardant autour de soi, on a la réponse. Et donc, je vous laisse tous aller la chercher, vers Paul, à la sienne, en tout cas dans son cœur, et bien, voilà, il va aussi méditer, réfléchir, et se mettre aussi à l'écoute du Seigneur pour retrouver la bonne réponse. Oui, chers amis, nous avons vu que cette relation intime, cette relation vraie, cette relation sincère, cette relation honnête avec Dieu, eh bien, notre père dans la foi, Abraham l'a déjà vécu. Eh bien, il a dû quitter son pays, sa parenté, sa famille, ses valeurs fondamentales de son pays, la maison de son père, ses traditions, et il s'est mis en marche vers le pays que Dieu lui-même lui avait destiné, sans d'abord a priori savoir quelle est la nature de ce nouveau pays, l'horizon vers lequel le Seigneur l'a envoyé, sans savoir qu'est-ce qu'il attendait là-bas, qu'est-ce qu'il deviendra dans ce pays. Abraham s'est levé, il est parti. Eh bien, il a vécu parce qu'il avait confiance, pleinement confiance en Dieu. Il n'a pas douté de ce qu'il pourrait lui apporter et qui pourrait correspondre aux valeurs de sa vie, mais également pour le projet que Dieu lui-même a établi déjà pour le bien-être de l'humanité, c'est-à-dire de notre monde. Eh bien, Abraham, il a fait preuve de courage pour relever ce défi aussi extraordinaire que remarquable. Et cela grâce à la profondeur de sa foi, de sa confiance et aussi, surtout, la persévérance qui l'animait. À l'instar d'Abraham, chers amis, il nous est donné aujourd'hui comme le modèle de la foi, le modèle de croyant. Il est donc ton modèle, il est mon modèle, il est notre modèle. Mais pour qu'il soit véritablement notre modèle, il nous faut nous encore réactiver la flamme de notre foi. Si notre foi, elle est encore endormie, ou si elle est encore moribonde, eh bien, il nous faut lui injecter encore une sorte de perfusion spirituelle,
un élan extraordinaire porté par la grâce de Dieu pour qu'elle soit davantage éclatante. Et ça, chacun de nous ici, nous avons la capacité de le faire. Oui, parce que le Seigneur, il a déjà sémé en nous. Il a sémé en nous le jour de notre baptême. Il a sémé en nous et il a réconforté en nous le jour de notre confirmation. Et chaque jour, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il nous parle, eh bien, il réactive cela en nous. Nous n'avons pas à le négliger. Car notre monde, il ne peut pas être transformé en dehors de nous-mêmes. Notre monde, il ne peut pas refléter de la lumière du Seigneur en dehors de nous-mêmes. Car désormais, le Seigneur a dit, c'est nous, la lumière du monde. C'est vous, le sel de la terre. Et aujourd'hui, l'exemple nous est donné. D'abord, Saint Paul, dans sa lettre, il encourage le jeune Timothée en lui disant de tenir bon, de tenir véritablement au quotidien, au regard des difficultés, au regard des souffrances, au regard de la persécution, de ne jamais se décourager, de ne jamais baisser les bras. Tant qu'il fait confiance en Dieu, Dieu, il sera avec lui et il va l'orienter pour qu'il atteigne le sommet. Eh bien, cette parole de Saint Paul, ou ces conseils de Saint Paul, sont aussi adressés à chacun et à chacune d'entre nous aujourd'hui. Et par moments, nous sommes découragés. Par moments, nous sommes déçus. Par moments, nous sommes même dans le doute. Et si Saint Paul le dit, c'est parce que nous aussi, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être encouragés. Alors, il te dit à toi, Pierre, Jean, Jeanne, il te dit, tiens bon. Et dans l'Évangile, il y a encore cette réalité qui est là pour encore nous encourager à ne pas rester cantonné sur une seule position. Mais que l'exemple que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans l'Évangile, c'est pour réaffirmer encore que la divinité de Dieu est au service du bien-être de l'humain. Que la divinité de Dieu est au service de l'humain, c'est-à-dire au service de toi, de moi, de vous, de nous tous. Et que ce service ne peut être vivant que lorsque il se laisse combler de la lumière et de la force de cette lumière divine. Et raison pour laquelle, sur la montagne, Pierre, Jean et Jacques, ils ont été éblouis par cette lumière. Au point que Saint-Pierre n'a pas pu s'abstenir de s'adresser au Seigneur. Il est heureux que nous soyons ici avec toi. Eh bien, nous aussi, lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous venons vers Jésus et qu'on est ensemble, nous devons ressentir cette joie au plus fond de notre cœur en se disant, eh bien, il est heureux que nous soyons tous ensemble ici. Il est heureux que nous puissions tous ensemble recevoir cette grande bonté de Dieu et que cela ne va pas se limiter là. Car le Seigneur, au retour de la montagne, il envoie ses disciples de témoigner. Mais comment témoigner? Non pas seulement par la parole, mais il faut témoigner par tout ce que nous sommes, par tout ce que vous êtes. Même s'il leur a dit, pour l'instant, ne dites rien à personne. Mais lorsqu'on a reçu une telle grâce, chers amis, est-ce que nous pouvons la garder pour nous seuls? Non. Lorsqu'on a reçu la grâce de la joie, la grâce du bonheur, nous avons à le partager. À le partager à l'instant même, au moment même où nous l'avons vécu, nous l'avons ressenti. Ça s'appelle aussi le partage. Et notre temps de carême s'appelle autrement le partage. Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je donne? La réponse, c'est l'amour de mon cœur. Car à partir de cet amour de ton cœur, toutes les bienveillances y sortent. Et quand on donne de la bienveillance autour de soi, eh bien, on transforme notre environnement à un environnement merveilleux. C'est ce que nous allons demander au Seigneur. Qu'en ce moment où il nous invite à marcher à sa suite, qu'il nous donne aussi sa lumière et que chacun soit transfiguré. Et qu'en retour, nous puissions éclairer notre monde. Que chacun soit ce rayon de lumière dans notre monde.
Que chacun, par sa grâce, soit ce grain de sel pour donner du goût de vivre, pour permettre aux uns et aux autres de savoir que Dieu nous aime, que Dieu est amour. Et lorsqu'on l'accueille dans son cœur, on n'est pas déçu, mais on grandit, on s'affermit et on reçoit davantage de la persévérance. Qu'il soit ainsi dans notre vie de tous les jours, par la grâce et la présence de notre Seigneur Jésus, qui nous aime aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et maintenant, tous ensemble, comme croyants, porteurs de la foi, nous allons la redire ensemble, en union avec tous nos frères et sœurs à travers le monde, mais plus particulièrement en soutien à nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à professer et à vivre de leur foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu dans un enfer, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Porté par la grâce de notre foi que nous allons professer ensemble, renouvelons notre confiance en Dieu en nous présentant maintenant nos humbles prières de ce jour. Seigneur, nous te confions ton Église par qui cette bénédiction est portée au monde. Que le temps du carême soit pour tous les baptisés l'occasion d'un sursaut missionnaire, nous t'en prions. L'annonce de l'Évangile. Seigneur, nous te confions les chrétiens persécutés pour leur foi. Aide-les à tenir bon malgré les difficultés et guide les dirigeants de tous les pays vers la tolérance et le respect des minorités religieuses et ethniques. Nous t'en prions. Seigneur, nous te confions tous ceux qui cherchent un sens à leur vie. Que ta parole les guide et les éclaire, et qu'elle suscite des vocations sacerdotales et humanitaires. Nous t'en prions. Son amour.
Seigneur, nous te confions notre communauté, tous ses membres, présents ou absents, et en particulier ceux qui souffrent. Garde-nous tous dans ta paix et maintiens-nous unis dans ton amour. Nous t'en prions. Nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Renée Guin. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous tes élus, nous t'en prions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail et des hommes. Nous te le présentons, il est d'être le pain de la vie. Béni soit Dieu. Béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la gloire et à la louange de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles ici présents, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Qu'elle sanctifie et purifie nos frères et sœurs pour que nous t'offrons ce sacrifice à l'impasquale,
Camille Roch, et qu'il partage pleinement la résurrection de ton Fils. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Notre archevêque Norbert, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de ceux pour qui nous t'offrons ce soir cette Eucharistie. En particulier pour Alain Pasquale et pour Camille Roch. En même temps, souviens-toi de tous les autres défunts que nous portons dans notre cœur actuellement. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, Saint-Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus. Le Christ. Mais regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Voilà, en raison de la récollection qui se tient actuellement sur Carnon, demain, 5 mars, il n'y aura pas le repas fraternel, voilà, de tous les 5 du mois. Donc pour ce mois-ci, il est annulé. Un petit rappel aussi pour le loto du curé qui arrive à grands pas. Il s'agit donc du dimanche 19 mars à 15h. Ah ben, à la salle après, c'est ça. Et donc, celles et ceux qui désirent en tout cas donner des lots, ben, vous pouvez les rendre ce week-end ou le week-end prochain. Et je pense que voilà, il y a des personnes désignées ou c'est peut-être au niveau de la permanence qu'il faut les apporter. Voilà, les différents lots. Donc, ceux qui désirent, en tout cas, apporter des lots, n'hésitez pas à le faire. Et le mercredi 8, c'est la deuxième rencontre de carême, à 19h30, pardon. Mercredi, deuxième rencontre de carême, 19h30, au pénitent de Pérol, ici. Et les jeux, on les a déjà annoncés, hein, donc voilà, à la sortie, vous avez Nicole qui vous attend au fond de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher aux valeurs de l'évangile de ton Fils. Alors, ils auront la force de rendre sans relâche vers la, de tendre sans relâche vers la gloire dont ils manifestent le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous et bon dimanche. Merci.